Bonjour tout le monde. Je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de public qui serait pas convaincu par notre mouvement. Donc, on avait prévu plutôt quelque chose de super à la polémique éventuellement pour argumenter pourquoi nous faisons ce mouvement, quel est le sens de ce mouvement. Donc, pour expliquer le sens de notre mouvement, on a choisi de faire une sorte de corrigé public d'un sujet qui est tombé au bac cette année, donc dont l'intitulé est « Sommes-nous responsables de l'avenir ?». Donc on s'est partagé entre tous une petite partie de ce corrigé. Donc nous avons tous des choses à dire à partir de cet intitulé-là. Donc je vais commencer par expliquer pourquoi ce sujet et quel est le rapport avec notre mouvement. Alors donc, sommes-nous responsables de l'avenir? Donc déjà, la notion de responsabilité, qu'est-ce que ça implique? L'idée d'être responsable, ça implique l'idée de ne pas être simplement un jouet dans une fatalité ou dans une nécessité, dans un déterminisme. Donc avoir la possibilité d'agir dans le cours des choses. Et par ailleurs, la notion d'avenir, donc c'est quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui est dans l'idée d'une ouverture au possible, à un champ de possible. Ce rapport entre la responsabilité et cette possibilité d'une ouverture au champ des possibles, on peut la mettre en relation avec des choses qui nous concernent très précisément, dans le sens où, d'un côté, on peut remarquer que la notion de responsabilité individuelle et non pas collective est constamment rappelée dans les discours ou même dans l'opinion commune, c'est-à-dire que l'individu est mis comme étant responsable du réchauffement climatique, par exemple, parce qu'il tient trop à son confort, du Covid, parce qu'il ne met pas son masque. L'enfant dans les familles est coupable de son chômage futur parce qu'il n'a pas bien rempli ses vœux sur Parcoursup, etc. Donc, toute la responsabilité pèse sur l'individu. Et d'un côté, on nous déresponsabilise de manière collective en disant, en quelque sorte, qu'il y a un mouvement qui est une sorte de lame de fond contre laquelle nous ne pourrions rien et qui serait le progrès des nouvelles technologies et une certaine évolution de la société, du travail dans laquelle l'éducation devrait s'inscrire parce que c'est comme ça, parce que c'est inévitable et parce qu'on n'y peut rien. Donc il y a une sorte de contradiction entre cette surresponsabilisation de l'individu et une déresponsabilisation de tout ce qui est d'ordre collectif, du monde commun. Donc de ce qui nous importe dans un monde commun. Ce mouvement-là, évidemment, pose la question de qu'est-ce que c'est qu'une responsabilité. Enfin, ce sujet pose la question de ce que c'est qu'une responsabilité collective, parce que focaliser sur le pronom nous, où il est question du nous, qu'est-ce que c'est que ce nous dont nous serions responsables. Et ça renvoie en effet à l'idée que qu'est-ce que ça serait un pouvoir politique où le nous serait responsable de l'avenir. Donc ça pose bien la question de la démocratie. C'est-à-dire que cet avenir, s'il n'est pas quelque chose de purement fatal, naturel, nécessaire et qui se fait tout seul, et c'est parce qu'il y a des décisions qui peuvent être prises, et les décisions qui peuvent être prises sont prises par ceux qui ont du pouvoir. Or, qui a du pouvoir? Et la question de qui a du pouvoir renvoie en effet à la question de la démocratie. Les citoyens, nous avons l'impression de ne plus avoir de pouvoir ou de ne pas avoir de pouvoir. Pourquoi nous avons cette impression-là? Parce que justement les décisions politiques se prennent sous l'idéologie, enfin je ne sais pas quel terme employer, mais sous la pseudo-évidence de la technocratie.
La technocratie, c'est l'idée qu'il y a des experts qui savent ce qui est bon pour chacun de nous et qui vont prendre des décisions qui sont inévitables d'une part et qui sont neutres, soi-disant, d'autre part, puisque un technocrate n'est pas un idéologue, ça serait simplement un expert, un savant. Donc il y a cette idée d'une pseudo-neutralité qui s'impose de manière inévitable. Au contraire, la démocratie, au contraire de la technocratie, c'est rien n'est évident, il faut questionner. Et c'est à partir de ce questionnement que les décisions peuvent se prendre. Et donc nous inscrivons dans cette réflexion-là dans notre mouvement parce que nous tenons à notre mission d'éducation, parce que nous concevons comme des éducateurs et non pas comme des managers. Parce que nous voulons nous réapproprier démocratiquement le sens de l'éducation, et parce que l'éducation est justement ce qui permet de rendre responsables les citoyens et d'ouvrir l'avenir. Hein, puisque l'éducation, ce n'est pas former au marché de l'emploi, bien qu'il faille sans doute faire intervenir ça, on pourra en discuter ensemble après, mais l'éducation, c'est former à l'esprit critique, à l'amour de la connaissance, au plaisir du savoir. Et c'est à partir de ça que les citoyens pourront se donner les moyens d'ouvrir l'avenir. Donc c'est pour ça que ce sujet nous semblait absolument en rapport avec notre mouvement. Je passe la parole à Renaud Garcia. Je vais simplement développer quelques aspects de ce qui vient d'être dit. Donc on nous dit souvent que le progrès, bon, ben, on ne peut pas l'arrêter, vous savez bien. D'ailleurs, une très haute autorité, le recteur d'Académie, nous a dit il y a très peu de temps, dans un rétropique, qu'il s'agissait d'une évolution naturelle. Hein. L'avenir, c'est l'intelligence artificielle, les machines à calculer. Donc nous deviendrions les assistants, tout autant d'ailleurs que les élèves. Et monsieur le recteur, évolution. Et vers quoi ? Ben, si je contracte une thrombose, par exemple, c'est une évolution. Et ce sera une évolution vers le pire, monsieur le recteur. D'accord ? Donc, l'évolution, encore une fois, on neutralise le processus, hein, et on masque le fait, comme l'a rappelé Moïsa, qu'il y a des choix qui sont effectués en amont. Finalement, la notion d'évolution naturelle, c'est le cache-misère de qui ne cherche pas à comprendre le monde dans lequel il vit. L'argument paresseux par excellence. Alors certes, on n'a pas consulté la population pour savoir si elle était désireuse d'adhérer à la technologie du smartphone. Pas plus d'ailleurs qu'on a consulté les élèves pour savoir s'ils étaient désireux de se pouvoir remettre une tablette entre les mains, ni leur avenir entre les mains d'un calculateur, c'est-à-dire l'algorithme Parcoursup. Pourtant, encore une fois, la technologie, évidemment, ne tombe pas du ciel, hein, comme un implacable destin. C'est une affaire de choix politique, et c'est à la portée, je pense, de tous les citoyens, dans la mesure où ils en ont le temps, et donc là, ça veut dire qu'il faudrait interroger la contrainte globale au travail insensé, hein, qui réduit le temps pour d'autres activités. Hein. Mais dans la mesure, par exemple, nous, on est payé pour réfléchir, théoriquement, on pourrait enquêter là-dessus. Donc si on enquête et qu'on prend par exemple un site aussi simple que www.economie.gouv, on peut aller chercher des rapports d'experts, j'en prends un. Le rapport d'experts pour faire de la France une économie de rupture technologique, c'est le titre, datant du 7 février 2020. Que nous dit ce rapport ? Il nous dit que la France doit mettre tout en œuvre, donc investir un maximum de capitaux, pour développer un modèle d'industrialisation qui explore les pistes de l'intelligence artificielle, de la médecine prédictive, d'accord, qui puisse donc déceler les potentielles maladies des plus jeunes âges, mais aussi la cybersécurité automatisée. Autrement dit, l'émergence d'un système de machines coordonné, capable de remplacer l'humain. D'accord. Donc ça, c'est l'économie de rupture promue par l'État actuellement. Donc on voit bien qu'il s'agit de choix, et factuellement, si on fait une autre enquête, par exemple si on recoupe les statistiques entre
le ministère donc, de l'éducation, notamment du supérieur, et puis le ministère de l'agriculture, on peut voir, là je prends les chiffres, qu'entre 2012 et 2022, ce qui va arriver, il y aura 12 milliards d'euros qui auront été alloués par l'État au numérique. Par comparaison, 160 millions par an auront été alloués au maintien ou à la conversion à l'agriculture bio entre 2015 et 2020. D'accord ? Donc 12 milliards d'euros contre 160 millions par an. Autrement dit, la priorité, c'est chacun derrière son ordinateur, et pour le reste, débrouillez-vous avec la pâtée industrielle qui amoindrira, je pense, peut-être, votre immunité. Hein, voilà. Donc, il y a effectivement un destin de la technique, ou plutôt de la technologie, d'accord ? Technologie, c'est le système des machines. Technique, c'est consubstantiel à l'hominisation. On n'a rien ici contre la technique, sinon je ne pourrais pas vous parler au fond de la salle comme je le fais. Bon. Donc il y a un destin technologique à partir du moment où on pense que l'innovation, c'est un processus complètement autonome dans un monde de compétitivité. Le problème, c'est qu'il y a aussi, c'est moins connu, des résistances à la technologie, et même dans des lieux, des endroits complètement étranges. Bon, puisque c'est l'euro, je fais une concession à la mode du moment. Vous savez très bien que, par exemple, quand l'arbitrage vidéo a été pensé, il y a quelqu'un qui est un fort chantier moderne, vraiment un réactionnaire de première catégorie, qui est Michel Platini, qui a rué dans les brancards pour dire « mais cette innovation technologique, elle va détruire le jeu, l'esprit du jeu, etc. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand une technologie se développe, elle n'est jamais naturelle, elle peut être soumise à contestation, à discussion, etc. Nous, c'est ce qu'on est en train de faire. Alors, pourquoi? Parce que, pour répondre à M. le recteur, c'est une évolution qui est guidée, d'accord? Mais derrière cette évolution guidée, il y a divers motifs qui reviennent et qui sont récurrents en fait depuis le tout début de l'histoire de l'industrialisation, des rapports entre les entrepreneurs et les masses ouvrières. Et ces trois motifs qui sont récurrents dans l'utilisation de la technologie et le fait de la faire passer pour un destin, c'est dans un premier temps l'obsession de la surveillance, dans un second temps l'insistance sur la performance, et dans un troisième temps le fait de mettre en place une culture qui, dans le public, chez nous, chez vous, chez les élèves, suscite des impulsions qui alimentent le désir d'automatisation. Aujourd'hui, c'est les robots qui vont nous délivrer de tous nos efforts pénibles, les intelligences artificielles qui nous aident à apprendre, ou alors la volonté de rester dans la course et de ne pas être largué. Voilà. Ça, on le retrouve à tous les niveaux de la chaîne scolaire, de Parcoursup jusqu'à ce fameux logiciel Santorin qui a déclencher en quelque sorte notre colère, mais notre colère s'inscrit justement dans la description de cette logique-là. Et on aboutit avec tout cela à l'inverse même de la philosophie. C'est une catastrophe en fait philosophique, c'est-à-dire que ça produit la standardisation des comportements. Voilà, c'est contre ça qu'on s'inscrit. Voilà, je vais passer après Renaud. Hein. Voilà. Numérisation de notre métier, est-ce que c'est bien responsable? Comme vous, le 20 juin, en fait, on a reçu un mail de l'inspection concernant donc, les bugs rencontrés à l'utilisation du logiciel Santorin, donc le logiciel qui permet donc, la correction dématérialisée des copies. Donc je n'hésite pas à vous lire un petit extrait de ce qui m'a, moi, légèrement interpellée. Je lis ce mail en partie. Alors, pour votre information, en cas de page manquante, copiée à l'envers, en désordre, non lisible, vous devez cliquer sur l'enveloppe et demander le retraitement de la copie en précisant les problèmes pour que votre demande soit prise en charge par les numérisateurs qui feront les vérifications ou procéderont à une nouvelle numérisation de la copie si nécessaire. L'enveloppe dont il est question est une icône qui se situe dans la barre du haut de Santorin à droite. Elle s'affiche en rouge foncé. Merci à chacune et chacun, malgré les difficultés rencontrées, de formuler leur demande avec courtoisie. Vos interlocuteurs sont des personnes humaines qui font tout ce qu'elles peuvent pour résoudre des problèmes dans les meilleurs délais, y compris le samedi et le dimanche. Bon, à mon sens, ça va être ce message, surtout la recommandation de fin, mettant en lumière ce qui nous paraît à tous évident, mais qu'on voit instantanément derrière nos écrans, c'est que derrière les machines, il y a des humains qui deviennent de moins en moins humains, courtois, polis, appelons tout ça comme on veut, et qui en viennent à se déresponsabiliser lorsqu'ils se contentent de répondre à des process ou de cocher des cases.
Faire sous l'ère numérique, c'est quoi répondre, c'est quoi être responsable, c'est quoi rendre raison, c'est quoi répondre. Alors, répondre, c'est d'une part répondre sans cesse, dans l'urgence, aux diverses injonctions, pronote, Rion, Arena, autant de réseaux sans doute utiles, hein, mais qui sont chronophages et pour lesquels nous devons être créatifs à tout bout de champ. Où il nous faut rendre des comptes rapidement et finalement être découragé de répondre, ou alors le faire, mais sans pouvoir prendre le temps d'y avoir réfléchi, tout simplement. Autrement dit, l'intrusion quasi systématique des outils numériques dans notre enseignement s'apparente de plus en plus à un filtre au quotidien dans nos rapports humains avec nos élèves. D'ailleurs, les élèves sont aussi victimes de leur non-maîtrise de ce temps de travail. J'ai une collègue qui me rapportait une anecdote, là d'ailleurs, me disant qu'un samedi soir, à 23h, elle reçoit une copie dématérialisée, donc, et puis une heure après, trois points d'interrogation, parce qu'elle a eu la réponse attendue. D'autre part, en plus d'être dépossédée de ce temps de travail, répondre sous l'ère de l'enseignement numérique, c'est de plus en plus échanger en étant atomisé, désagrégé. Nous avons affaire à une atomisation des tâches qui tend à empêcher les agents de se rencontrer, d'échanger et de penser collectivement à un projet collectif, un projet éducatif, pardon. Chacun est de plus en plus isolé, un isolement où finalement tout le monde est sommé de prendre ses responsabilités, mais au final, plus personne ne le fait, n'est plus en mesure de le faire. Comment pourrait-il en mettre autrement? C'est vrai que juste un exemple, la réforme qui a fait imploser les groupes classes. Si on veut suivre un élève en première ou en terminale, à HLP en l'occurrence, il faut s'adresser obligatoirement par voie numérique au moins à 6 collègues. Bon, autant dire qu'il faut être sacrément tenace pour suivre convenablement ses élèves et passer un temps fou en échange de mails qui, de toute façon, ne permettront jamais les nuances qu'apporte l'échange de discussion, l'échange verbal. En outre, cette atomisation des tâches entraîne, je l'ai dit, un isolement des enseignants. C'est sans doute ça qui m'importe de signaler le plus. Chacun est esselé dans sa propre conscience d'une incurie, littéralement d'un manque de soin pour les élèves, pour nous-mêmes. C'est un échec, une culpabilité qu'on vit au quotidien dans notre mission éducative. On en parlait encore il y a un instant là, avec aussi de collègues qui sont présentes. Par conséquent, comment pouvons-nous être responsables si nous n'avons plus les moyens de répondre en ayant pris ce temps de la réflexion et de la concertation? Dans son analyse du totalitarisme, Hannah Arendt avait cerné comme facteur essentiel de son émergence l'isolement, engendré par la bureaucratisation de la vie, donc on dirait aujourd'hui la réduction de notre activité, précisément à l'ensemble de process numériques. Je me permets de lire, je terminerai là-dessus. On a souvent fait observer que la terreur ne peut régner absolument que sur des hommes qui sont isolés les uns des autres. Et qu'en conséquence, un des premiers soucis de tous les régimes tyranniques est de provoquer cet isolement. L'isolement peut être le début de la terreur, il est certainement son terrain le plus fertile, il est toujours son résultat. L'isolement est pour ainsi dire pré-totalitaire. Il est marqué au point de l'impuissance dans la mesure où le pouvoir provient toujours d'hommes qui agissent ensemble. Les hommes isolés n'ont par définition aucun pouvoir. Ce n'est que lorsque la forme la plus élémentaire de créativité humaine, c'est-à-dire le pouvoir d'ajouter quelque chose de soi au monde commun, est détruite, que l'isolement devient absolument insupportable. Alors l'isolement devient désolation. Le régime totalitaire, comme toutes les tyrannies, ne pourrait certainement pas exister sans détruire le domaine public de la vie, c'est-à-dire sans détruire en isolant les hommes, leur capacité politique. Si on est là, sans doute ici, c'est précisément parce qu'on veut continuer de se sentir responsable de notre enseignement et que visiblement, là, on ne tient pas le bon bout. C'est à moi. Merci Steph pour ces très beaux mots d'Hannah Arendt. Moi, j'avais envie de repartir donc de ce sujet à partir d'un article que j'ai lu, et je sais que beaucoup d'entre nous l'avons lu, de lundi matin, où un correcteur de l'épreuve de philosophie faisait remarquer sur ce sujet « Sommes-nous responsables de l'avenir ?»
que finalement elle déplorait que ce sujet soit devenu suis-je responsable de mon avenir, en faisant apparaître à la fois l'individualisation de la responsabilité et de la pensée concernant l'avenir, et en même temps un traitement de cet avenir qui devient un avenir financier, c'est-à-dire un avenir qui se pense en termes d'avoir et de construction matérielle. Je me demandais à partir de ça, comment est-ce qu'on peut apprendre à penser le collectif ? Alors c'est d'autant plus difficile cette année et l'année précédente où on a connu les confinements, où chacun s'est retrouvé chez soi et on se retrouve avec des élèves à qui il faut apprendre. Je pense que c'est nécessaire et que c'est le cœur de notre métier, peut-être même le cœur de l'école, hein, d'apprendre ce que c'est que la démocratie et la coopération. Comment est-ce qu'on construit ensemble une pensée commune ? Évidemment, ça demande à repenser les rapports de domination. Les rapports de domination à l'intérieur de la classe et les rapports de domination à l'intérieur de la société. Hein, il faut réinterroger ce que c'est que cette responsabilité face à l'avenir en interrogeant la pensée de chacun et en montrant, il me semble, que finalement, dans une salle de classe, comme dans une agora, comme dans n'importe quel espace démocratique, chacun a sa place et doit pouvoir exprimer à la fois sa pensée et surtout nourrir sa propre pensée de la pensée de l'autre. C'est l'idée que la pensée, elle se construit ensemble. Elle se construit ensemble dans le sens de la pluralité, dans le sens de l'émulation et dans le sens du plaisir qu'on a à construire une pensée ensemble. Je crois que ce qui nous réunit avant tout, c'est ça, hein, c'est le fait à un moment de nous être retrouvés, d'avoir exprimé notre difficulté face à ce logiciel et de l'avoir exprimé ensemble, d'avoir pu se nourrir les uns les autres des réflexions que chacun avait eues sur cette injonction, cette nouvelle injonction de corriger en ligne. Et je crois que si le point de départ c'est celui-ci, c'est parce qu'enfin on s'est réunis et on a parlé. Et on en avait grandement besoin après ces années où on ne pouvait plus se réunir. Donc évidemment, dans l'idée de construire un projet pour l'avenir, avec toute la difficulté que cela représente, hein, être responsable de l'avenir, ça veut dire qu'on va penser une action présente, mais qui a une finalité dans une construction d'un projet qui dépasse notre propre temporalité. Et face à la complexité de ce mouvement-là, de ce mouvement temporel-là, on ne peut difficilement faire abstraction de la pensée des autres. Sans les autres, on ne peut pas penser cet avenir, parce que c'est trop complexe. Donc la nécessité de la pensée collective pour construire ce projet, parce que c'est une pensée ambitieuse, elle va devoir se nourrir d'une pensée collective. Et le problème, c'est qu'avec cette réforme, on a une double difficulté pour penser, il me semble, ce collectif. Comment est-ce qu'on fait pour le penser quand tout se numérise et comment est-ce qu'on fait pour le penser quand tout se spécialise ? Parce que je crois qu'aujourd'hui, on en a beaucoup parlé dans nos AG, il y a deux difficultés, il y a la difficulté de la numérisation et puis il y a la difficulté aussi de ce grand oral que nos élèves sont encore en train de passer aujourd'hui, je crois, hein, pour certains d'entre eux, qui est là aussi le résultat, l'évaluation d'une spécialisation qui s'effectue maintenant dès la fin de la classe de seconde. Il y a quelques élèves parmi nous hein, qui sont en train de penser leur choix d'orientation et de spécialité pour l'année prochaine. Et le problème, c'est que cette spécialisation-là, ben, on l'a vu, ça y est, on sait ce que c'est. C'est la fin du groupe classe. Et donc on doit apprendre la démocratie, on doit apprendre le vivre ensemble, on doit apprendre la coopération alors qu'on n'a plus de groupe classe. Que les élèves, finalement, à part la classe de philosophie et l'histoire géo, ils ne se retrouvent plus en groupe classe en terminale. Et pourtant, ce groupe classe nous permettait justement de construire une relation de confiance, une possibilité de se connaître, de s'exprimer ensemble, ce que l'on ne trouve plus, notamment dans les spécialités. Le grand oral devient le reflet de cet individualisme forcené contre ce que doit être l'école que nous défendons, je crois. Je reprendrai une phrase de Bergson qui disait, je la trouve très belle, il le disait dans un discours de remise de prix d'une grande école, je crois que c'était le lycée de Nancy en 1886, il me semble. La spécialité qui rend le savant maussade rend la science stérile. Je trouve ça très beau. La spécialité qui rend le savant maussade rend la science stérile. Effectivement,
ce qui disparaît dans cette spécialisation-là, c'est à la fois le plaisir que nous avons de chercher, de nous cultiver, d'essayer de comprendre le monde dans sa complexité, et je crois que ça, c'est quand même le cœur de la philosophie, et en même temps, cette disparition du plaisir-là, elle s'accompagne aussi d'une disparition des savoirs. Et le second problème de cette, je finirai là-dessus, hein, le second problème pour penser le collectif, effectivement, dans la numérisation, c'est que cette numérisation, elle va toujours contre la pensée, mais surtout contre la construction d'une pensée commune, et on l'a tous vécu cette année avec cette hégémonie du distanciel et de la fin de la possibilité de se réunir, d'un échange qui dépasse le cadre de ma pensée individuelle, mais qui dépasse aussi le cadre de mon espace, de ma condition de vie, de l'endroit où je suis en train d'effectuer cette pensée. Et je crois que c'est ça aussi, hein, l'échange et la possibilité de se retrouver, c'est aussi la possibilité de se déplacer, la possibilité d'aller penser ailleurs, avec d'autres personnes, avec d'autres sensibilités, mais aussi avec d'autres lieux. Et je crois que ça, c'est également fondamental pour nourrir la possibilité de penser à l'avenir. Comment est-ce qu'on pourrait penser quelque chose qui n'est même pas dans un présent, quand déjà on n'arrive pas à penser au-delà d'un moment. Je finirai là-dessus, et je donne la parole maintenant à, qui est le prochain, à Marc. Merci Morgane. Eh bien, je vais prolonger en fait, hein, tout à fait ce dont a parlé Morgane, en essayant de réfléchir rapidement autour du terme de pragmatisme. Vous savez que les professeurs de philosophie aiment bien analyser des termes et voir ce qu'ils peuvent cacher. Alors pourquoi le terme de pragmatisme? C'est parce que c'est un terme qui a envahi le discours public ces dernières années. C'est un terme qu'on nous oppose aussi, qu'on peut opposer à notre mouvement. Là, nous manquerions de pragmatisme parce que nous refuserons les nouvelles technologies d'information et de la communication. Nous manquerions aussi de sens des responsabilités. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le pragmatisme, dans le discours dominant, est souvent opposé. Hein. C'est un terme qui est opposé aux idéalistes, aux utopistes, aux rêveurs, voire aux idéologues. Et le point commun de ces catégories de population, pour ceux qui se revendiquent de ce pragmatisme, c'est deux choses. Je dirais, petit a, c'est leur inefficacité. Hein. Le manquer de pragmatisme, c'est ne pas avoir le sens de l'efficacité. Et puis deuxièmement, c'est leur refus de la réalité telle qu'elle est. Hein, manquer de pragmatisme, c'est ne pas accepter le réel tel qu'il est. Alors c'est de ça, évidemment, que je voudrais faire la critique, comme, qui a déjà été, bien sûr, commencée par mes amis et collègues. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que quand on pense uniquement en termes d'efficacité, on pense uniquement en termes de moyens. Et quand on pense en termes de moyens, ben, on oublie complètement les finalités. C'est ce qu'a dit Renaud au tout début de son intervention, c'est-à-dire de nouveaux moyens. Pourquoi pas, mais pourquoi faire? Quelles sont les finalités? Et si on oublie les finalités, ben on oublie la question du but, du projet, de l'éthique comme du sens qu'on peut donner à notre existence. Or nous, professeurs de philosophie, ce qui nous intéresse, c'est les questions de fin, c'est les questions de valeur, c'est les questions du sens qu'on peut donner à l'existence humaine, et ce n'est pas prioritairement la question des moyens. Première critique donc de cette conception-là du pragmatisme. Deuxième critique, le pragmatisme dit, mais vous ne voyez pas le réel, vous ne voyez pas le réel tel qu'il est. Et justement, alors, il n'y a rien de plus déformant que de penser que le réel est donné, qu'on le connaît, vous voyez. Merci. Oui, le réel nous surprend, hein. Il y a la lumière, il n'y a plus de lumière, alors quel est le vrai réel? C'est le réel éclairé ou pas? Oui, déjà, voilà. Merci beaucoup, hein, c'est parfait. Voilà, donc le réel nous échappe, visiblement, et dire qu'il faut s'adapter au réel, c'est oublier, justement, qu'il y a un travail de connaissance, un travail de problématisation, en fait, de se demander, en fait, quel est le réel auquel nous faisons face et que pouvons-nous en faire selon des fins que nous nous proposons. Donc le terme pragmatisme, vous l'avez compris, en fait, sert essentiellement dans le discours dominant à désamorcer toute critique des politiques publiques, à désamorcer toute contestation possible de ce qu'on appelle le progrès, comme on l'a dit tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure, d'ailleurs, dans une autre intervention. Et donc c'est un effet, en fait, complètement inhibant pour la pensée critique. Alors, il me semble, c'est ce que je vais vous proposer rapidement, il me semble qu'on peut critiquer le pragmatisme par le pragmatisme. Le pragmatisme au sens d'un courant philosophique anglo-saxon, que la plupart d'entre vous connaissent bien, parce qu'il y a quand même beaucoup de professeurs de philosophie dans cette salle. Et je voudrais donc juste dire deux, trois mots de John Dewey, notamment, qui a écrit un livre il y a une centaine d'années, qui s'appelle « Le public et ses problèmes ». Alors, pourquoi parler de ça? Parce que le sujet qui nous ramène ensemble aujourd'hui, c'est « Sommes-nous responsables de l'avenir ?» Sommes-nous responsables? Et le « nous », Dewey, je pense en termes de public.
Donc il pose la question dans son livre, qu'est-ce que c'est qu'un public? En fait, une des hypothèses centrales du Dewey qui me semble bien correspondre à notre situation actuelle, c'est qu'un public émerge à partir du moment où il prend conscience d'un problème commun, justement, d'un problème qui concerne la vie commune. Donc quand on passe du privé, de quelque chose dont on pense que c'est purement personnel, à quelque chose qui est identifié comme un problème public, qui peut concerner des gens, pourquoi pas, les correcteurs de philosophie du baccalauréat sur refus Santorin, mais qui en fait, au-delà de ce simple refus d'un logiciel, concerne tout le monde en réalité. Hein, le problème public, c'est ça. Alors, l'avenir, donc sommes-nous responsables de l'avenir? Parce qu'il est intéressant, c'est de dire que notre présent, aujourd'hui, notre présent, était l'avenir des gens qui vivaient dans le passé. Et on peut aussi faire l'hypothèse que nous rencontrons un très grand nombre de difficultés. Tout à l'heure, on a évoqué les difficultés climatiques, etc. Enfin, on va sociales, économiques, écologiques, etc. Je ne veux pas faire la liste. On s'est dit, ben, peut-être que ces difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, c'est parce que le public d'autrefois n'a pas assez identifié, justement, n'a pas eu les moyens d'identifier les problèmes qui se posaient à lui, les problèmes publics, et qu'en ne les identifiant pas, nous retrouvons dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Donc il y a un risque majeur, vous le comprenez, à ce que le public, c'est ce que dit Dewey aussi hein, d'ailleurs, à ce que le public n'identifie pas les problèmes qui sont les siens. Puisque s'il ne les identifie pas, il ne pourra pas tenter de les résoudre, bien évidemment. Et alors, la question qui m'intéresse aussi philosophiquement, et qu'on travaille aussi avec les aides, c'est comment vérifier? Comment vérifier s'il y a un problème ou pas? Comment vérifier si une situation pose problème? Et si on doit résoudre le problème? Comment savoir si... Là, ça, c'est une question qui intéresse les philosophes. Comment savoir s'il y a un problème ou pas? L'hypothèse que fait Dewey, c'est celle aussi qu'ont fait mes amis qui ont pris la parole avant, c'est que la seule manière de vérifier, c'est le débat public, justement. C'est que le public lui-même s'empare du problème pour discuter ensemble pour voir s'il y a un problème. Or, l'hypothèse que je voudrais faire, alors le texte de Dewey à 100 ans, il ne connaissait pas les Santorin et Parcoursup et autres pronotes et que sais-je. Mais l'hypothèse que je voudrais faire, qui prolongerait la pensée de Dewey en l'actualisant, c'est de se demander si l'envahissement des nouvelles technologies d'information et de la communication, à l'école notamment, dans nos vies, mais plus spécialement à l'école, ne constituerait pas un obstacle au carré, en fait, au débat public. C'est-à-dire, un obstacle qui serait un obstacle majeur, qui serait un obstacle au carré. Voilà pourquoi il me semble que les nouvelles technologies, bon, on l'a dit, nous ne sommes pas technophobes, ça a été dit, bon, il faut le rappeler, hein, nous sommes contre le fait que ces technologies soient envahissantes et qu'elles nous soient imposées sans discussion, sans concertation avec les gens qui, que je sache, sont quand même les premiers concernés puisque nous sommes les enseignants. Donc ces technologies, elles ont des effets. Elles ont des effets chronophages, on l'a dit, hein. Apprendre tout le temps des nouveaux logiciels, c'est autant de temps qu'on passe pas à lire, à écrire, à communiquer, à parler à nos élèves, etc. Elles ont un effet d'isolement. Bon, ça, tout le monde l'a vécu avec les différents confinements. Ces nouvelles technologies nous isolent beaucoup. Ça a été dit déjà. Elles ont aussi un effet de séduction très rapide. Hein. Les nouvelles technologies veulent nous plaire et il faut que ça aille très vite. Or, nous défendons plutôt l'idée que pour faire de la philosophie, il faut de la lenteur. Hein. D'autres l'ont dit beaucoup mieux que nous. Elles dispersent l'attention aussi. Ça, c'est un effet possible. C'est un effet possible. Et puis, elles sont porteuses, par exemple, de biais de confirmation assez forts, comme vous le savez. Donc, tous ces effets-là, eh bien, ils sont en eux-mêmes des obstacles à l'émergence d'un débat public. Vous comprenez? C'est-à-dire que tous ces effets peuvent constituer, si on n'y prend pas garde, si on ne voit pas l'aspect problématique, justement, ils peuvent constituer des obstacles à l'émergence même d'un débat public dans lequel seraient discutés, entre autres, les effets et les inconvénients de ces nouvelles technologies. C'est pour ça que je parlais d'obstacles au carré. Ce qui me semble que ces technologies pourraient avoir un effet si on n'y prend pas garde, encore une fois, si on ne les utilise pas avec pertinence et une certaine forme d'assaise, je dirais, elles peuvent avoir un effet justement de nous empêcher de parler de ces nouvelles technologies, paradoxalement. Vous voyez, c'est pour ça que je parlais d'obstacles au carré. Donc pour terminer, parce que je ne voudrais pas être trop long, je voudrais juste revenir à Dewey, donc un texte qui a 100 ans, pour reprendre tout à l'heure les deux éléments visés, d'abord sur l'efficacité. Dewey dit les fins, c'est des fins qu'il faut tout le temps parler. Les fins doivent être tout le temps remise dans le débat public. Et si on ne remet pas les fins, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus de politisation, il n'y a plus de cité. Deuxièmement, la réalité, vu que je disais tout à l'heure qu'elle n'était pas évidente, elle doit faire l'objet d'une expérience qui soit le point de départ d'une enquête. Donc l'expérience, dit Dewey, c'est qu'en fait, on est un peu entre le subir et l'agir. Vous voyez notre mouvement ici? Le mouvement des professeurs de philosophie de l'Académie d'Aix-Marseille cette année, il y a dû subir, puisqu'on nous dit, il y a trois semaines, voilà, maintenant vous avez corrigé sur les copies numérisées, voilà, et voilà, là on n'est pas prévenu du tout, il y a dû subir. Et puis il y a d'agir. C'est-à-dire qu'à partir de ce trouble, c'est dit, oui, l'expérience c'est toujours un trouble, il y a un trouble, et nous disons, qu'allons-nous faire de ce trouble? Et là, ça devient une expérience qui peut rendre possible, un terme qu'on a déjà entendu aussi dans les autres interventions, c'est le terme d'enquête. Ce qui est central dans le livre de Dewey,
je vous incite à lire pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, c'est l'idée d'une enquête. Et l'enquête dit, oui, c'est ce que nous sommes en train de faire, en fait, ici, d'une certaine manière. L'enquête, c'est un processus collectif dans lequel le réel n'est pas donné et le réel est transformé par l'enquête, puisque l'enquêteur, les enquêteurs que nous sommes sur, par exemple, les effets de ces nouvelles technologies sur l'enseignement, eh bien, en faisant l'enquête, nous nous transformons nous-mêmes. Et en enquêtant, nous transformons la réalité aussi, puisque le fait même d'enquêter va nous donner une petite distance par rapport à ces outils numériques, un petit regard critique que nous n'aurions pas si nous n'enquêtions pas. Donc l'enquête, ce n'est pas connaître un réel qui est donné, mais c'est s'interroger sur la réalité et se transformer en même temps qu'on transforme la réalité. Je voudrais juste très rapidement finir sur une lecture d'une petite page de Dewey. Je vous rappelle ce texte à 100 ans. Et ensuite, je passerai la parole à Samy qui est à côté de moi. Il existe une pathologie sociale qui s'oppose fortement à l'enquête effective sur les institutions et les conditions sociales. Elle se manifeste de mille manières. Un ton plaintif, une terrible impuissante, le fait de profiter de toute occasion de divertissement tout en éprouvant une certaine honte, d'idéaliser ce qui est établi depuis longtemps, de se draper dans un optimisme facile, de glorifier au effort les choses telles qu'elles sont, de tenter d'intimider tous ceux qui ne sont pas d'accord. Toutes ces manières de faire affaiblissent et dégradent la pensée d'autant plus efficacement qu'elles se répandent partout de façon subtile et inconsciente. Je trouve que ce à quoi nous assistons en ce moment est assez bien dit par Dewey, qui pourtant, comme je l'ai dit, ne connaissait pas Santorin. Tant mieux pour lui. Merci Marc. Moi, je vais revenir à la question de départ. Je l'ai trouvée très intrigante quand j'ai vu ce sujet. Je me suis dit presque que l'institution prenait presque le bâton pour se faire battre en nous donnant un tel sujet. D'abord parce que, bon, la question, sommes-nous responsables de l'avenir, hein, on imagine bien qu'on va comprendre d'abord la question au sens « sommes-nous responsables de notre avenir ?» Et peut-être que justement la question pointe non pas cette responsabilité individuelle, mais plutôt une responsabilité collective. Le problème, c'est que la responsabilité est souvent comprise d'abord de manière individuelle. Et d'ailleurs, parler de responsabilité collective, c'est extrêmement, finalement, difficile d'attribuer une responsabilité collective. Lorsqu'on pense à la responsabilité collective, est-ce que nous sommes responsables du génocide au Rwanda, par exemple, même si la France reconnaît sa responsabilité, notre responsabilité, est-ce que nous retrouvons là-dedans dans cette responsabilité, en quoi nous sommes auteurs ou acteurs? Et d'ailleurs, on pourrait revenir sur la question du subi et de l'agi. Hein. Et d'autre part, donc, ce sujet, alors peut-être qu'il nous questionne, et notamment dans les enjeux que nous avons à affronter aujourd'hui, hein, les questions écologiques, les questions économiques, les questions sociales, dans quelle mesure nous sommes responsables, en fait, les uns des autres, parce que c'est ça, au fond, que ça questionne, au fond, est-ce que nous sommes responsables les uns des autres? Et comment retrouver cette responsabilité? Le premier problème que je voyais, moi, c'est que, en fait, d'abord la question de la responsabilité individuelle qui fonctionne de manière causale. Hein, j'agis aujourd'hui et je serai ce que j'ai fait aujourd'hui, je serai demain ce que j'ai fait aujourd'hui, ne marche pas pour la responsabilité collective. En effet, je vais aller assez vite, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, en effet, la responsabilité collective, elle, ne peut pas fonctionner de manière causale. La meilleure preuve, hein, je suis dans un groupe et je suis dans un groupe qui agit où je peux moi-même ne pas me reconnaître dans ce groupe. L'observateur extérieur, par exemple, voit une émeute ou voit un délit se commettre par un groupe. Lui, il comprend bien le mécanisme du groupe et il met une responsabilité sur un groupe, mais celui qui agit dans le groupe, parfois, va se sentir embarqué par ce groupe et ne se reconnaît pas comme acteur de cette action. Donc la difficulté, et c'est pour ça que la plupart du temps, on échappe à la responsabilité, et la responsabilité collective nous échappe la plupart du temps. D'ailleurs, c'est bien ce qui nous embête, qui accuser finalement, lorsque l'on voit les dérives d'une société, les dérives de notre histoire, qui accuser finalement, et surtout comment agir, comment pouvons-nous nous-mêmes agir ou contrer ces événements auxquels nous sommes, que nous subissons. La dernière chose, donc entre cette action et cet événement-là, nous subissons un certain nombre d'événements et pourtant nous en sommes acteurs. Et cette difficulté, je trouve, parle éminemment de nos métiers. Parce que finalement, alors, si on regarde comment nous pouvons être collectivement responsables de ce qui s'est passé dans le passé,
de ce qui est arrivé, comment est-ce que nous pouvons en être responsables, c'est non pas par causalité, mais par identification. Et c'est l'identification des uns sur les autres qui permet de construire un groupe. Et je trouve que là, ça touche immédiatement notre métier, alors même qu'on voudrait nous renvoyer tout le temps notre responsabilité individuelle, finalement, on se rend compte que notre métier d'enseignant, c'est nous donner en responsabilité des gens. On est responsable de l'autre, en fait. Et là, on retourne complètement à la question de la responsabilité. C'est pas de moi dont je suis responsable, c'est de l'autre. Et peut-être que la voie de la responsabilité collective pourrait se trouver comme ça. Et notamment, si on regarde pourquoi nous sommes responsables du génocide au Rwanda, par exemple, parce que justement, d'abord, on va s'identifier à un groupe qui est un peuple, une communauté, etc. Mais en plus, ce qui va finalement faire que nous sommes responsables, c'est la transmission. Et nous sommes transmission d'une mémoire, transmission d'une idée. Et c'est précisément ce qui relève de notre métier, cette idée de transmettre, justement. Et du coup, c'est ni la responsabilité individuelle qui est première, c'est ni la responsabilité collective, c'est notre responsabilité envers l'autre, justement. Et c'est justement ce qui engage notre métier, et c'est pour cette raison, je crois que nous réagissons aussi fermement à ce qui nous arrive, parce que individuellement, nous pouvons toujours trouver des solutions alternatives, mais par contre, cet avenir, les élèves préparent leur avenir, sont responsables de leur avenir, mais c'est aussi nous qui en sommes responsables. Je vais poursuivre un petit peu l'idée de Sabi en examinant la responsabilité moi, du côté de ceux qui la revendiquent, à savoir ceux qui la revendiquent, savoir le politique, et qui revendiquent cette responsabilité comme une charge. L'action politique, elle aurait comme nature d'anticiper l'avenir. Dans sa plus vieille mythologie, si on fait de Zeus, par exemple, le premier politique, celui qui a avalé sa première femme métisse pour posséder la clairvoyance, anticiper l'avenir et éviter toute révolution possible pour apporter une stabilité. Si on prend quelque chose de plus proche de nous, par exemple chez Machiavel, dans Le Prince, au chapitre 25, le politique, c'est celui qui va anticiper la crue, construire la digue, afin de se préserver d'un désastre possible. Alors là, il y a une première ambiguïté, c'est que il faut anticiper, mais on construit. Et donc, comme ça a déjà été dit, il y a toujours un choix. De manière négative, d'ailleurs, et très contemporaine, c'est intéressant parce que le politique, en même temps, se dédouane dans ce qu'il n'a pas pu anticiper. On l'a entendu là, depuis des mois, c'est-à-dire on ne pouvait pas prévoir qui pouvait anticiper, comme si ça enlevait la responsabilité de son action. Ça, c'est intéressant. Et en même temps, ce terme de responsabilité, il agit comme une sorte de... Il est agité comme une sorte de fétiche par les politiques, de mots incantatoires, nous avons agi en responsabilité, nous prenons nos responsabilités en décidant que, etc. Alors, ben moi, je ne vois pas trop à quoi ça fait référence, si ce n'est une sorte de synonyme d'autorité ou charge, puisque, c'est mon deuxième point, en réalité, il n'assume jamais ses responsabilités politiques. Pour plein de raisons, la durée des mandats, la simple temporalité de l'acheminement des conséquences de son action, etc. Ça se voit dans tous les domaines. Le domaine de l'urbanisme, qui est-ce que vous allez aller voir pour demander des comptes sur l'organisation de la zone périurbaine autour de Paris. Et c'est encore plus flagrant dans notre domaine de l'éducation, puisque il faut un certain temps pour que les principes pédagogiques qu'on a mis en œuvre se réalisent dans l'élève. Ceux qui ont été élevés à la méthode globale, bon, il a fallu attendre quelques années. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va chercher? Vous allez chercher le ministre de l'éducation de l'époque, et on est 20 ans après, les théoriciens, les ceux qui ont fait les manuels, ou bien les profs. Et le politique, il a donc une manière, finalement, de renvoyer la responsabilité à ceux qui sont à la fin de cette chaîne des causes, les acteurs, et en l'occurrence, pour nous, les élèves et les profs. Les élèves qui seraient responsables, ça a été dit, qui devraient construire leur futur et qui seraient responsables de leur avenir, ça veut dire, et les profs qui seraient d'une responsabilité miroir, responsables des élèves. Et
Là, je reprends un petit peu ton idée, mais si chacun est renvoyé à cette espèce de responsabilité individuelle, est-ce qu'on peut encore parler de responsabilité? C'est-à-dire, dans un deuxième sens, la responsabilité, c'est, étymologiquement d'ailleurs, hein, la capacité de répondre d'eux. C'est-à-dire que ça se fait toujours vis-à-vis. Et conjointement, puisque évidemment, quand on redéfinit un terme, ça redéfinit les autres, dans ce rapport à cette action complètement individualisée, qui se réduit en fait à une simple cause, qu'est-ce qui reste de l'avenir? Autre qu'une sorte de mouvement brownien des atomes. Alors la question que j'aimerais poser sur mon dernier point est la suivante. Que serait l'avenir d'une action responsable? Autrement dit, que viserait une action politique qui prendrait la responsabilité de l'avenir? Alors, je propose une réponse. Selon moi, une telle action politique ne viserait pas à prédire ou à prévoir, au premier sens qu'on a vu, hein, ni même à préparer, mais à créer de l'unité. À rassembler, ou pour reprendre le paradigme de Platon dans le politique, à tisser. Et c'est-à-dire, en fait, à créer un tissu qui entremêle la trame et la chaîne, les diversités, et de cette diversité, face à une unité. Cette union, cette unification dont la responsabilité principale envers l'avenir serait donc non pas de prévoir ni de préparer, mais, je vais changer de verbe, je dirais accueillir. Et c'est en ce sens, à mon avis, que l'action éducative serait éminemment politique, là je reprends bien sûr une idée d'Arendt, hein, puisqu'elle viserait à accueillir, je cite, c'est dans la crise de l'éducation, l'élément de nouveauté que chaque génération porte avec elle. Et en même temps, du coup, en accueillant cet élément de nouveauté, l'avenir se trouverait rempli à nouveau de possibilités et ménagerait la possibilité d'une activité qui justement ne serait pas seulement une action ou une pensée et qui ne s'ancrerait et ancrerait d'ailleurs une communauté, reconstruit toujours son horizon, et c'est ce que Arendt appelle le jugement. Il me semble que c'est précisément cet exercice du jugement qui nous est si constamment et violemment refusé et qu'on essaie ici un petit peu de ressusciter. Oui, alors je voudrais revenir sur la notion d'avenir, qui permet d'avoir une transition, et me poser la question, en fait, de la responsabilité vis-à-vis du fait qu'il y a un avenir, c'est-à-dire non pas de ce qui va se passer dans l'avenir, mais non pas de l'humanité à venir forcément, mais comme le disait Ancionas, dans le principe de responsabilité, ce qui est important, ce n'est pas seulement que l'humanité puisse continuer à exister, mais c'est quelle est une existence humaine, proprement humaine, et pour qu'elle ait une existence proprement humaine, il faut que l'avenir soit vraiment un réel avenir, c'est-à-dire qu'il soit ouvert. Qui soit fait de futurs contingents et non pas d'un développement absolument nécessaire qui serait entraîné par un progrès qui serait finalement fatal. Et de ce point de vue-là, je voudrais commencer par renvoyer ma propre expérience, en fait, il y a peut-être deux semaines. Éloigne un peu le micro. Je vais un peu, d'accord, tout le monde m'entend bien comme ça. Non, il faut éloigner un peu plus encore. Il y a environ deux semaines, je ne savais pas ce que j'allais encore faire, ce que je pensais, comment dire, j'allais, je crois, entre deux possibilités. Corriger des copies tous les jours, le soir faire mon yoga, aller à la plage, me baigner, bref, une existence un petit peu tranquille. Et puis, d'un autre côté, il y avait cette question, effectivement, qui était agitée parmi les amis, d'ailleurs, qui m'ont un petit peu inspiré, qui m'ont mis un petit peu en doute aussi, sur cette question-là, sur une vie un petit peu facile qui consisterait à comment dire, continuer des habitudes de vie hein, qui ne sont comment dire, faciles, et du coup, et à vraiment penser mon avenir comme une véritable alternative. Alors, d'un certain point de vue, pour revenir à cette notion de responsabilité de l'avenir, dire qu'on est responsable de l'avenir, c'est-à-dire qu'on peut avoir une influence causale sur l'avenir, qu'on peut commencer une action qui vient entièrement de nous-mêmes, comme l'avait dit Louisa au début. Et puis, être responsable de l'avenir, c'est de prendre en charge au sens où on doit rendre des comptes de ce qu'on aura fait. Alors, bien sûr, l'avenir lui-même se présente comme une réalité qui, par rapport à laquelle on n'est pas responsable, puisque quoi qu'il arrive, il y aura un avenir
peut pas supprimer l'avenir. Il n'y a pas le choix entre de l'avenir ou pas. D'une certaine manière, on pourrait se dire que l'irréversibilité du temps, c'est nécessairement, comment dire, un avenir qui aura lieu. Oui, mais le problème, justement, c'est de savoir lequel avenir a lieu et de savoir si on peut ménager la possibilité de plusieurs alternatives. Et là, on rencontre cette question qui est celle du libre-arbitre, en fait, et qui est celle, donc, de la possibilité d'avoir fait le contraire de ce qu'on a fait, de pouvoir faire autrement que ce qu'on avait prévu faire jusqu'à maintenant et qui nous paraissait être une évidence. Et dans ce cas-là, effectivement, vous avez cette opposition avec un avenir qui, au lieu d'être fermé, est un avenir qui est plutôt contingent, c'est-à-dire dont le contraire est possible. Mais à côté de ça, la situation se complique, c'est que tout ce que nous faisons, finalement, crée, si on peut dire, des processus, des fois, qui peuvent être irréversibles. C'est-à-dire que nous pouvons commencer des actions qui, elles-mêmes, au bout d'un certain temps, seront difficiles à stopper, auront des conséquences qui dépasseront complètement notre pouvoir, et finalement, nous nous trouvons avec beaucoup de responsabilités, et quasiment pas de pouvoir, pour régler le problème. D'où l'essentiel, dans le fait d'agir pour pouvoir agir sur l'avenir et qu'un avenir soit possible, c'est d'essayer d'agir véritablement à la racine de l'action, au commencement de l'action. Je pense que c'est ce qu'on a fait, finalement, avec cette... décision de ne pas ouvrir Santorin, c'est de ne pas nous lancer dans un processus. Parce que si on avait commencé à ouvrir Santorin, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, on se pose des questions techniques, on se pose des questions de moyens, pas des questions, comme tu le disais, de finalité. On se pose des questions, comment on va faire pour, si on peut dire, retrouver les copies dans l'ordre, éventuellement, comment on va faire pour noter des copies qui paraissent, si on peut dire, ne pas avoir fait grand-chose, simplement pour essayer d'avoir la note, si on peut dire, du contrôle continu. Bref, on affronte des questions purement techniques et on oublie complètement, alors il y a un oubli de quoi? Un oubli de la possibilité de l'avenir, un oubli de la possibilité d'agir. Et finalement, on rentre dans une espèce de processus d'exécutant. Et là, on ne maîtrise plus cet avenir puisqu'il n'y a plus de possible. Alors, est-ce à dire qu'on n'est pas responsable de l'avenir, on n'est plus véritablement responsable de l'avenir au sens où on a plus libre arbitre, finalement, de pouvoir penser autrement et agir autrement, mais on en est quand même responsable parce que, finalement, on est, complaisant vis-à-vis d'un certain processus, finalement, qui nous déresponsabilise. Hein. Donc, du coup, on est responsable de cette déresponsabilisation, et en étant responsable de cette déresponsabilisation, on a tendance à se cacher derrière, alors ça peut être la réalité, comme on parle justement Marc tout à l'heure, la réalité qui est une espèce de Dieu sur laquelle on ne peut avoir aucune prise. On n'arrête pas le progrès, l'innovation appelle l'innovation, l'esprit du temps, l'évolution sociale sont venus des espèces de nouveaux dieux, le Dieu progrès devant lequel on se prosterne, et finalement, ces processus ont bon dos parce qu'ils nous permettent de nous déresponsabiliser. Donc on en est responsable de cet avenir-là aussi. De cet avenir que nous avons, si on peut dire, réduit dans ses perspectives et dans ses possibilités. Comment sortir de ça? Alors du coup, comme on était, je crois c'était l'année dernière, on était au rectorat, on est allé faire, Mathias et Jeanne sont allés voir le recteur, et moi je pensais à cet édifice du rectorat où les bureaux sont tous séparés, où la division du travail fait que tout le monde travaille séparément, et où il n'y a pas finalement concertation pour remettre en question une chose aussi lourde que cette administration. Alors ce que nous faisons depuis environ une semaine, un petit peu plus maintenant, 9-10 jours, eh bien c'est de se concerter sur le sens de ce qu'on est en train de faire. Et d'essayer de trouver des solutions où finalement ce qui va primer c'est l'égalité dans la prise de parole, l'amitié, alors je dirais finalement la filia est plus importante que la sophia de ce point de vue-là, puisque à partir de ça on peut commencer peut-être à penser véritablement des solutions, et je pense que ça va pouvoir peut-être faire un lien avec ce que tu as à nous dire en tant que Lisa. Oui, donc quelques mots pour conclure. Je posais le problème au départ et là, il me revient de dire quelques mots de conclusion, mais qui remettent un petit peu au centre la question de l'éducation et le rapport entre tout ce que nous venons de dire et la question de l'éducation. Ce qui est pourquoi nous nous sentons responsables de l'avenir, parce que nous sommes dans un métier qui est un métier éducatif. Et pourquoi? Parce que
Il n'y a d'avenir, au sens où disait Christian, qui soit un avenir ouvert, hein, et non pas un avenir qui soit simplement le déroulement ou la reproduction du présent ou qui soit quelque chose de l'ordre d'une fatalité, que si les citoyens, grâce à l'éducation, ont eu cette capacité à ne pas être le fruit d'un déterminisme social en particulier. C'est-à-dire que le rôle de l'éducation, c'est de, lorsqu'elle est bien faite, lorsqu'il s'agit d'une vraie éducation justement, et pas simplement du management, c'est de donner les clés, la possibilité pour le citoyen sujet qui est en formation, pouvoir sortir du milieu social dont il se trouve, de ne pas être simplement un héritier au sens de Bourdieu. Et la vraie éducation, elle doit permettre de casser ça. Or, il n'y a pas d'ouverture possible de l'avenir sans cette charnière-là qui permet à chacun, à chaque élève, à chaque étudiant, de se réapproprier sa propre vie et de se resubjectiviser, je ne sais pas comment employer le terme. Et cette construction de la subjectivité à laquelle doit permettre l'éducation est le seul moyen d'envisager la possibilité d'une ouverture de l'avenir et donc de la liberté. C'est-à-dire que la responsabilité n'est pas quelque chose qui est donné au départ, c'est quelque chose qui se travaille et qui se travaille grâce à l'éducation dont nous sentons responsables. Je voudrais juste finir par une petite citation de Castoriadis qui m'a été envoyée par Émile et qui est vraiment excellente. Je l'ai mise là aussi sur le mur. Castoriadis dit « Enseigner, c'est apprendre aux enfants à aimer le fait d'apprendre. C'est dès l'école qu'on fabrique un être humain, un citoyen. C'est là qu'on apprend à comprendre, à choisir. Choisir exige d'être capable de s'orienter et d'avoir une hiérarchie des valeurs. Où sont ces valeurs dans la société d'aujourd'hui ? La société est dominée par une course folle définie par ces trois termes « technoscience, bureaucratie, argent ». Si rien ne l'arrête, il pourra de moins en moins être question de démocratie. La privatisation, le désintérêt, l'égoïsme seront partout. Voilà ce que nous ne voulons pas.